J'ai lu un article qui parlait d'applications pour avoir des amis payants. Il faut payer pour avoir des amis. Et je trouvais ça assez hallucinant déjà. Et que ça permettait d'imaginer plein de situations complètement absurdes et drôles et à la fois touchantes et pathétiques. Parce que si on en est aujourd'hui à payer pour avoir des amis, on peut se dire où va-t-on? Donc on est quelque part dans une très légère dystopie. On imagine dans le film que c'est un peu plus développé que ça ne l'est aujourd'hui, quoi. L'instigateur du projet, c'est mon co-réalisateur Hervé Piron, avec qui j'ai fait beaucoup de films et qui joue d'ailleurs le rôle d'Herbert dans le film. Et c'est lui qui est venu vraiment avec une histoire qui lui tenait à cœur, qui parle de la mercantilisation de l'amitié. Vu que le pitch du film en deux mots, c'est un gars qui est dépressif, qui a même des velléités suicidaires et qui va, pour son anniversaire, louer un ami via une application. Et ça, c'est vraiment Hervé qui est venu avec cette histoire. Et ce scénario a été développé pendant un an via des canaux classiques. Il a été déposé plusieurs fois en commission. Il a failli être soutenu la première fois. Et puis, on s'est beaucoup cherché. Mais la thématique nous plaisait. On se disait, le pitch était chouette. Donc, j'ai proposé à Hervé de réécrire complètement le scénario et de l'épurer un maximum, de le simplifier, de le ramener à quelque chose de plus radical et de plus vraiment centré sur la thématique. J'ai appelé mes fidèles amis, l'équipe avec qui je travaille souvent, Pierre Choquet à l'image, Fabrice Osinski au son, Alice de Vestel à la déco. Et puis on y est allé un peu comme ça, à la commando, on a tourné en 3 jours. On ne sent pas qu'on est en Covidie dans le film, mais je trouve que là où il parle quand même pas mal du Covid et de l'ambiance dans laquelle on a été, c'est que c'est la solitude qui est un des thèmes fondamentaux du film. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est seul, qui commande un ami par son smartphone. Et on sent chacun qui, enfin, comme aujourd'hui on se commande des plats préparés tout le temps chez soi, ben là c'est l'ami qui est livré. Enfin, il y a un truc de cette ultra-moderne solitude. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.